D'accord. Restez concentrés. Alors, donc, c'est l'opportunité que vous avez pour la fête nationale. Le week-end d'après, donc du 28 au 30 juin, donc on va lancer le nouveau festival Cultura où on accueille, comme je vous disais tantôt, l'Expo agricole Rive-Nord. Donc, ça va être une fête qui a 51 ans dans la Naudière. On est bien heureux de l'accueillir à l'Assomption. Et on va rajouter une autre facette de notre municipalité avec le volet culturel. Et donc, il va y avoir des grands spectacles qui vont être offerts derrière le collège, tout juste voisin de l'Expo agricole. Il va y avoir, entre autres, Émile Bilodeau, qui va être là le vendredi soir. C'est des spectacles qui sont gratuits. Et le lendemain, samedi soir, ça va être la Symphonia de la Naudière qui va chanter le répertoire des Beatles de façon symphonique, avec une fois trois belles grandes voix. Alors, venez en grand nombre, invitez la parenté. Notre ville va se mettre sur son 36 pour vous recevoir et nos invités. Alors, c'est un rendez-vous. Maintenant, ça, je viens tout juste d'en parler. Le 18 juin prochain, on va aussi lancer tous les événements de l'été. Les gens du service de qualité de vie et les différents services, on a bâti une belle programmation estivale et c'est assez spectaculaire ce qu'on va avoir pour accueillir comme offre touristique et culturelle, pour accueillir des gens justement à l'Assomption. Et là, donc, le 18 juin prochain, le mardi prochain, on va lancer cette programmation-là. Vous allez entre autres entendre parler d'un musée d'éducation, d'une exposition de la ceinture fléchée, de plusieurs festivités et événements. Vous allez entendre parler de trottinettes électriques sur notre territoire, de location de canaux, la mise en valeur sur la rivière. Alors, donc, vous allez entendre parler de patrimoine, vous allez entendre parler d'agriculture. Fait que surveillez ça dans les médias, surveillez ça sur les médias sociaux. Vous allez voir, notre été va être très festive et notre ville sera très dynamique, belle et accueillante pendant l'été. Vous avez peut-être pu voir qu'on a fait une collecte du sang, la collecte de sang du maire qui s'est tenue le 27 mai. Un énorme succès, un grand merci aux gens qui se sont déplacés pour venir donner du sang. On avait un objectif de 85 donneurs. C'est 103 personnes qui se sont présentées pour faire don de sang. Cette collecte-là nous a permis d'amasser 92 poches de sang qui ont été prélevées par Emma Québec. Et je pense que c'est une statistique intéressante à partager. Chaque poche de sang peut aider à sauver 4 vies. Donc, tout le monde ensemble à l'Assomption, c'est peut-être 368 vies qu'on aura contribué à sauver. Alors, merci beaucoup de votre générosité. Tous les dons de sang qui sont faits sont utilisés dans les 7 jours suivants. Donc, c'est important qu'on continue à faire œuvre utile en ce sens-là. Maintenant, je vais vous parler de la piste cyclable sur le chemin du Golfe. Ben, soyez vigilants, les gens, vous l'attendiez depuis longtemps. Les travaux vont commencer dans la semaine en cours, au début de la semaine prochaine. Notre objectif, c'est qu'avant les vacances de la construction, les travaux soient terminés pour rejoindre le boisé du portage, pour nous amener jusqu'au boulevard Turgeon. Donc, ça va être une belle nouvelle. Nos enfants vont pouvoir, et nos familles, pouvoir circuler en sécurité sur le chemin du Golfe. Vous allez voir aussi, ce soir, on va octroyer des contrats de réfection des infrastructures. On a pris, avec les années, on a pris un certain retard sur nos infrastructures. Ce soir, on va octroyer un contrat de 3,2 millions pour réparer les rues Saint-Pierre et Saint-Jacques. Donc, c'est les rues à proximité de l'église et de la maison de la culture. Les travaux devraient commencer vers le mois d'août. La date n'est pas fixée de façon précise, mais ça va être des travaux d'environ 3 mois. Des travaux majeurs, donc on va parler des égouts, des aqueducs, puis on va refaire le pavage ensuite. Alors, vous allez voir ça, un grand chantier dans le centre-ville vers la fin de l'été. C'est un investissement de 3,2 millions qu'on va annoncer. Et on va aussi octroyer un contrat le pont Ride-Séguin, qui est le pont à côté de l'école Saint-Louis, le pont vert, comme on se plaît à l'appeler. Là. Il y a une passerelle qui était fermée depuis environ 6 mois, qui est ouverte. Il y a juste une passerelle d'un côté qui est ouverte. Dès cette semaine, il y a des gens qui vont venir évaluer les pièces, évaluer le type de travaux qu'on va devoir faire pour pouvoir réouvrir cette passerelle-là. On sait que c'est un pont qui va fêter son centième anniversaire l'année prochaine. Donc, il y a besoin d'amour. Fait qu'on va voir combien d'amour il y a besoin. Je vous rappelle qu'il y a un événement yoga qui va se tenir le 6 juillet prochain. Ça va se passer sur le terrain du collège. C'est la deuxième année que ça va se passer. Même si vous ne faites pas du yoga, là, de venir une première expérience, c'est très, très bien. L'année passée, il y avait à peu près 70-75 personnes qui sont venues participer. Il y avait des musiciens live qui étaient présents. C'est une belle initiation au yoga. C'est une super magnifique journée. Alors, si ça vous tente de venir essayer ça, venez en grand nombre. Le coût, c'est 25 $. Vous avez le droit dans 25 $, c'est pas juste votre participation. Vous allez aussi recevoir des cadeaux qui valent un petit peu plus que ça. Donc, ça vaut la peine de venir y participer. On va lancer prochainement aussi, donc c'est le retour de Ma tante à lire, que vous connaissez peut-être. Donc, c'est notre service de la bibliothèque de l'Assomption qui se promène dans nos parcs. Et ce sont justement nos jeunes bibliothèques qui vont à l'encontre de nos familles avec une banque de livres qui sont offerts. Donc, on profite d'une belle journée, d'une belle après-midi dans un parc. On accède à des livres, on en profite. Alors, gênez-vous pas, c'est un service qui est gratuit.
dès que vous voyez la tente verte de ma tente à lire, mais je pense qu'elle est bleue, je dis verte, mais je pense qu'elle est bleue. Soyez une tente avec ma tente à lire, peu importe la couleur, c'est une belle place. Ça va? Nos camps de jour, cette année, nos camps de jour sont très, très populaires à l'Assomption. En termes, je vous dirais que c'est assez spectaculaire dans le nombre d'inscriptions. Encore cette année, il y a une forte croissance dans le nombre d'inscrits. Alors, bravo à nos jeunes services de qualité de vie. On a 15 camps thématiques différents et dynamiques qui vont être offerts à nos enfants. Donc, je pense que c'est de première année jusqu'à première secondaire, deuxième secondaire. Je vous invite à regarder ça sur le site Internet de la Ville pour vous inscrire. Il y a quelques camps qui restent de la place. Donc, il n'est pas trop tard. Si vous souhaitez en profiter pendant l'été, gênez-vous pas. Alors, voilà. Maintenant, on va passer à la remise. On va honorer des jeunes de chez nous qui performent en termes de sport et en termes de culture. C'est un programme qui existe depuis plusieurs années. Donc, vers le début mars, on propose aux parents, aux familles de soumettre la candidature de leurs jeunes. Puis les bourses qui sont offertes ce soir, c'est vraiment un message de votre municipalité et de votre communauté de continuer, puis à persévérer, puis à vous engager. On est fiers de vous supporter. Puis peu importe les étapes que vous aurez à franchir dans votre jeune carrière, comptez sur la Ville pour vous supporter puis endosser vos efforts. Alors, ce soir, il y a un jeune homme qui n'est pas avec nous, donc je ne voudrais pas vous le présenter, mais on l'a rencontré la semaine dernière, c'est Samuel Asselin. Samuel Asselin qui vient tout juste de finir sa carrière junior, qui maintenant signe un contrat avec les Bruins de Boston. On est bien fiers pour lui. Bien, on l'a rencontré la semaine dernière. Et Samuel Asselin, ça fait plusieurs années qu'il est supporté par le programme Élite sportive. Je ne dirais pas que c'est à cause de ça qu'il a réussi. On va se garder une petite gêne. Mais c'est clair que Samuel a une très, très belle carrière. Fait qu'on a pu l'honorer l'année passée avec la Coupe Mémorial. On l'a refait la semaine dernière. Là, bien, il est parti en entraînement. C'est déjà commencé. Fait qu'on est bien, bien content pour lui et on le salue. Alors, voilà. Maintenant, je vais donc passer à la remise des bourses. Je vais demander aux conseillers municipaux de se joindre à moi pour remettre la bourse et un petit cadeau offert par votre municipalité. Alors, notre première bourse s'adresse à un jeune athlète étudiant de l'école secondaire Paul Arsenault. Il s'est démarqué par ses performances cette année. En mars 2019, il participe aux Jeux du Québec et remporte 2 médailles d'or dans sa discipline, le plongeon. Il participe également à 6 autres compétitions au cours de la dernière année et réussit à se classer parmi les 3 premiers à plusieurs reprises. Soucieux d'obtenir la meilleure formation sportive et académique, il a pour objectif d'être accepté au programme sport-études de l'école secondaire Antoine de Saint-Exupéry, où il pourrait évoluer avec l'équipe de Camo Plongeon. Mesdames et messieurs, dans la catégorie Espoir, accueillons Isaac Belair. Ça va comme ça? Prenez le temps, si vous voulez, pour les photos-là. Les parents, si vous vous approchez, là, c'est un beau moment. Profitez-en. Félicitations, Isaac. Maintenant, notre prochaine boursière évolue avec le club de patinage artistique de l'Assomption depuis maintenant 9 ans. À la fin de l'année 2018, elle se classe en 2e et 3e place lors de compétitions régionales dans la catégorie juvénile dames. Sur cette belle lancée, elle se qualifie en janvier 2019 pour la finale provinciale des Jeux du Québec. Elle peut être fière de cet accomplissement puisque seulement 39 patineuses à travers le Québec ont pu se qualifier pour cette compétition. Mesdames et messieurs, dans la catégorie Espoir, accueillons Coralie Brizard. Bravo, Coralie. Oh, on recommence? Bravo, Coralie. Vous allez voir, on reste dans la même famille. La prochaine athlète en patinage artistique, âgée de seulement 10 ans, s'est vue décerner plusieurs honneurs au cours de la dernière année. En plus de sa première place à la finale régionale des Jeux du Québec, qui lui a permis de participer au championnat de patinage artistique Star Michel Proulx, elle a cumulé 3 médailles d'or et 2 médailles de bronze. Accueillons celle qui souhaite un jour transmettre sa passion pour le patin artistique en enseignant aux jeunes enfants. Mesdames et messieurs, dans la catégorie Espoir, accueillez la petite sœur de Coralie, Madame Camille Brizard. Thank you.
Bravo, Camille. Félicitations. Cet élève du programme sport-études à l'école secondaire Félix Leclerc pratique le baseball depuis l'âge de 4 ans. Il se démarque rapidement par son agilité au bâton, mais surtout par la vitesse de ses balles rapides. En 2017, il est nommé joueur de l'année au niveau Pee-Wee dans l'Anaudière par Baseball Québec. En 2018, il réalise l'expérience d'une vie en participant aux Jeux du Québec où lui et son équipe remportent une médaille d'argent. Il rêve de faire un jour partie de la Ligue nationale de baseball. Accueillons, mesdames et messieurs, dans la catégorie Espoir, le sportif Antoine Guénette. Attends un petit peu, Nicole, attendez. Antoine, on va revenir. Nicole, on va revenir. On regarde Guylaine, je pense. Ouais. Bravo. Félicitations, Antoine. Maintenant, cette jeune sportive a fait preuve de beaucoup de persévérance et de détermination dans les dernières années, malgré des problèmes aux genoux. Ses efforts ont porté fruit, puisqu'elle est sélectionnée pour faire partie de l'équipe régionale aux Jeux du Québec en 2018. À la suite de leur performance, elle et son équipe remportent la médaille d'argent, en plus de la mention de meilleur esprit d'équipe dans la catégorie féminine. Mesdames et messieurs, dans la catégorie Espoir, accueillons Amy Martel. Félicitations, Amy. Maintenant, cette jeune artiste qui pratique la danse depuis plus de 10 ans a obtenu 2 rôles dans la production Casse-Noisette de la compagnie Ballet Ouest à la fin de l'année 2018. Cette année, elle a pu démontrer ses talents en représentant l'école de danse Énigme lors des diverses compétitions provinciales telles que Hide Dance et Represent. Enfin, à la suite d'auditions réussies, elle sera admise au programme danse-études de la prestigieuse école Ballet Divertimento de Montréal dès septembre 2019. Mesdames et messieurs, dans la catégorie Excellence, accueillons Mathilde Bourassa. Félicitations, Mathilde. Notre prochain boursier poursuit son parcours académique à l'Université King au Tennessee dans le but de compléter 2 baccalauréats, soit en économie et en mathématiques. Pour une deuxième année consécutive, il fait partie de l'équipe masculine de soccer NCAA Division 2, en plus d'être le capitaine de l'équipe du Québec U18. Il se classe en 4e position au classement général de la conférence Carolina et 3e au classement des buteurs avec 9 buts en 16 matchs. Grâce à ses performances, il est nommé athlète de la semaine de l'Université King. Mesdames et messieurs, dans la catégorie Excellence, accueillons Benjamin Delisle. Bravo, Benjamin. Samuel Asselin, je vous en ai parlé tantôt. Donc, Samuel, on lui a remis sa bourse mardi dernier. Ce soir, il est représenté par sa mère. Alors, accueillons Mme Nathalie Fontaine. On va se transmettre. Maintenant, notre prochaine boursière étudie en enseignement primaire et en éducation préscolaire à l'Université du Québec à Trois-Rivières. En 2018, elle est sélectionnée pour faire partie de l'équipe nationale de flag football. Elle représente donc le Canada au championnat mondial qui se déroulait au Panama et remporte la médaille de bronze. Elle détient également le titre de championne au tournoi de flag football d'Ottawa. Son objectif pour l'année 2019, être sélectionnée dans l'équipe nationale afin de pouvoir participer pour une deuxième année aux mondiaux qui auront lieu cette fois en Corée du Sud en 2020. Mesdames et messieurs, dans la catégorie tremplin, accueillez Lauriane Beauchamp. Mmh.
la dernière et non la moindre. Notre dernière boursière a connu bien du succès au cours de la dernière année. Membre de l'équipe nationale junior de patinage synchronisé, elle gagne la médaille d'or en décembre 2018 à la Lumière Cup, qui se déroulait aux Pays-Bas. Sa performance impressionnante ne s'arrête pas là, car elle remporte une autre médaille d'or quelques mois plus tard au championnat canadien à Waterloo, en Ontario. De plus, elle peut être fière d'avoir participé en mars dernier au championnat du monde à Neuchâtel, en Suisse. Mesdames et messieurs, dans la catégorie tremplin, accueillons Jade Deschaines. Bravo, Jade. Alors, contre moi, je pense que vous pouvez être fiers, vous pouvez constater à quel point on a du talent dans notre jeunesse à l'Assomption. C'est très, très beau de voir ça. C'est même émouvant de pouvoir lire ces textes-là. Alors, félicitations à vous tous. Je vous inviterai pour une dernière fois à vous lever, à vous tourner vers les gens, pour qu'on puisse vous applaudir tous et chacun. Félicitations. Alors voilà, c'est ce qui met un terme à cette présentation Facebook. Nous, on va se diriger vers la séance du conseil. Alors, merci aux gens qui étaient présents avec nous sur le Facebook Live. On continue de notre côté. Bonne soirée. Alors, vous n'êtes pas obligé de rester à la séance du conseil. Soyez bien à l'aise. Merci, félicitations.